Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière joueur au PSG sur FIFA 21. On est tout de suite parti pour un match de championnat face au Stade Malherbe Caen. On est parti pour ce match face à Caen. En profondeur, oui, bien vu. Oh, le but d'Mbappé. But d'Mbappé. Ah, il était pour nous le ballon, hein, mais il l'a récupéré. Oh, ouais, là, le joueur a le ballon, on fait l'appel. Finalement, c'est Kylian Mbappé qui le récupère. Et qui vient mettre ce ballon au fond des filets. C'est le deuxième but de la saison. Kylian Mbappé, 1-0. Oh, l'offrande de notre coéquipier! Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Allez, contre-attaque bien lancée. Kylian Mbappé qui a l'occasion de marquer ce troisième but. C'est fait. Passe de notre joueur pour Kylian Mbappé. 3-0 face à Caen. C'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Et on a mis 4 buts. 4 buts sur 6 tentatives. Bon ratio. 4 buts, une passe D. Super match. Caen a bien résisté sur la première mi-temps, puis ensuite derrière, ça, une fois qu'on a marqué le premier but en seconde période, ça a déroulé. Allez, on se retrouve après le match de Leipzig, vu que le match de Leipzig, eh ben, on va pas le jouer, vu qu'on est suspendu. Donc on se retrouve pour le prochain match de championnat. On est parti pour ce match face à Lorient, sachant qu'on n'a pas joué un match face à Guingamp en Ligue 1, vu qu'on avait une accumulation de cartons jaunes et on était suspendu. Allez, on est parti. Oh, attention 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Lorient. C'est le but de Kedzaria qui a fait la différence à lui tout seul. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le PSG s'est imposé 3-0 hein, quand on était absent face à Guingamp en championnat. Et par contre, le PSG s'est incliné en Ligue des Champions. Le match face à Leipzig s'est incliné 2-1. Donc autant dire que la phase de groupe de Ligue des Champions pour l'instant est très très moyenne du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, Yaroslav Kedzoria dans ce match lui permet de mener 1-0. Le score a évolué quelque part. Oui, Hervé, c'est le premier but. Oh, le 1-2 avec Mbappé, qu'est-ce que c'est magnifique! Ce qui permet au PSG de mener 2-0 face à Lorient. Magnifique 1-2 avec Kylian Mbappé. Attention. Oh, 3-0 PSG face à Lorient. Le but de notre joueur. C'est fini. Victoire 8-0 du Paris Saint-Germain face à Lorient. Triplé de notre joueur. Triplé de passe D. C'est pas mal. Allez, on est parti pour ce match de Ligue des Champions face au RB Leipzig. En sachant que, bah comme je le disais tout à l'heure, sur le match aller de cette phase de groupe face à Leipzig, et ben, le PSG a perdu 2-1 sans nous. Donc va falloir qu'on gagne. Parce que pour l'instant, le PSG est dernier de son groupe. C'est très très compliqué. Très 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 compliqué. Il faudra battre tout le monde si on veut se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Si on veut tenir notre titre. Bon allez, ça commence déjà par aller chercher un résultat hein, face à Leipzig. Ah, ça, c'est un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui, hein, vous vous en doutez. Il reste sur 3 buts inscrits lors de son dernier match. Et le connaissant, il n'a pas envie de s'arrêter là. La suite du programme dans un court instant sur eSports. Bonsoir tout le monde, vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde. Hein, dans on est parti pour ce match face au RB Leipzig.
Le PSG qui est pour l'instant éliminé de cette Ligue des Champions. On a 3 matchs, 3 finales à jouer pour aller chercher ses 8e de finale. Et nous, on n'a pas encore marqué cette saison en Ligue des Champions. Faut qu'on se réveille. Son dernier match, évidemment, c'est pas passé inaperçu. Là, il a aucun doute dans son esprit. Ça va être compliqué pour la défense. De sortir systématiquement des groupes hein, dans cette Ligue des Champions. Ouais, ils finissent souvent deuxième et puis quand ils finissent premier, ça leur réussit pas. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Allez, la composition du PSG. Organisé en 4-2-4 hein, pour cette rencontre. Un système de plus en plus rare sous cette dénomination. Avec Perrault sous le Staphylidis et Itnouri en défense. Sabitzer Pouig au milieu de terrain. Kedzoria Mbappé, notre joueur. Yanouzage en attaque. Et Stulac dans les buts. Du côté du Hertha Leipzig. Pierre, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les joueurs de cette équipe, ils font des... Une défense à 4 avec Miranda, White, Anderson, Lajoud. Gallagher Aydara au milieu de terrain, Ofori Gray un peu plus haut, Pikaliok en attaque. C'est parti pour ce match face à Leipzig. On a autre joueur qui se retourne, qui... Wow, on nous dit de jouer simple, mais il y a bien but. Il y a but pour notre coéquipier, Yanouzaj, qui récupère ce ballon, alors qu'on s'était emmené. On va avoir cette action. Alors, on décale Mbappé, ensuite on la demande, on se lève la balle pour la tirer et finalement c'est Yanouzaj qui la récupère. Et le PSG qui ouvre le score. Passer la pitch. Voilà, frappé le but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On pousse depuis tout à l'heure. 50e minute de jeu. Début dans la seconde période. Et notre joueur qui débloque cette situation pour mener 2-0. On crochette parfaitement. Et le troisième but. Troisième but pour le PSG. Le but de notre joueur. 3-0 face à Leipzig. Avec 3 buts marqués. Et encore, on aurait pu en marquer plus. On a eu deux pénaltys arrêtés par le gardien de Leipzig. Un on a frappé côté droit et l'autre on l'a frappé côté gauche. Bon, c'est bien, on a pris les 3 points. On marque 3 buts. Enfin, en tout cas, le PSG marque 3 buts. Nous, on en marque 2 dans ce match. On entame notre remontada au classement de cette poule. Du coup, on va aller voir où on en est dans notre groupe. Alors, on est deuxième de notre groupe. Leipzig est passé du coup quatrième. Et le Spartak Moscou est à égalité de points avec nous. On peut encore finir premier. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, on est parti pour ce match face à Rennes. Voilà. Voilà, belle aspiration sur cette passe. Oh, but! But de la tête de notre joueur. 1-0 pour le PSG. Je crois que c'est un centre de Niklas Zule. Alors là, c'est Yanouzaj. Zule. Et notre joueur qui se jette au bon moment pour marquer de la tête.
28ème but de la saison. 1-0 face à Rennes. Oh la belle piquée! But d'une belle piquée pour notre joueur. 2-0 pour le PSG face à Rennes. Oh attention, 3-0. Triplé de notre joueur. 3-0 face au Stade Rennais. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Et l'entraîneur qui procède. Allez, c'est bientôt fini. Le PSG qui mène 4-0. Quadruplé de notre joueur. Allez, ça fait plaisir. On va chercher le ballon du match. 4 buts sur 4 tentatives. Très très efficace aujourd'hui. On a pas. On a eu 4 tirs cadrés, 4 buts. Pas mal. Allez, on va partir pour le prochain match. Allez, on est parti pour ce match. Face à Metz. Attention, on élimine un défenseur et on marque. On marque. 1-0 face à Metz. Le but de notre joueur pour le Paris Saint-Germain. Et le PSG qui mène 1-0. On est sur le côté, on travaille. On élimine le défenseur. Frappe, pied gauche. C'est Metz qui est mené 1-0. 32ème but de la saison pour notre joueur. Allez, passe pour Mbappé. Et le 2-0. 2-0 pour le PSG. 2-0 face à Metz. Le but de Kylian Mbappé sur une passe de notre joueur. Wouah, passe décisive de la tête de notre joueur. Pour Kylian Mbappé qui contrôle et qui pousse ce ballon d'une frappe puissante au fond des filets. 3-0 face à Metz. Match solide. Niveau stats, qu'est-ce qu'on a fait dans ce match? Un but, deux passes D. Très correct. Allez, on va aller faire le dernier match de cet épisode. C'est un match face au Spartak Moscou qui est à égalité de points avec nous. Si on gagne, on prendrait une option. Et même, je pense qu'on se qualifierait pour le prochain tour. Non, on prendrait une option sérieuse, en tout cas, sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Allez, il faut gagner absolument ce match. Allez, on est parti pour ce match face au Spartak. Oui, but pour le Paris Saint-Germain. L'ouverture du score, le but de Kedzaria qui commence à devenir très important dans l'effectif du PSG. Il commence à être décisif et ça fait plaisir. Kedzaria qui débloque la situation. Bon, d'abord on tente une frappe, repoussée par la défense. Ça revient sur Kedzaria qui le met une tête et qui nous permet de passer devant face au Spartak. Et pour l'instant, on resterait deuxième de notre groupe. C'est le plus important pour tenter d'aller se qualifier pour les huitièmes de finale. Son troisième but de la saison en Ligue des Champions pour Kedzaria. Allez, 1-0. Notre joueur, oh, il perd son duel. On lui donne le ballon, il n'y a pas hors-jeu. Le but, 2-0 pour le Paris Saint-Germain face au Spartak. Notre joueur pour le 3-0. Le doublé de notre joueur, 3-0 pour le Paris Saint-Germain face au Spartak Moscou. 90e minute de jeu, 7-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça fait y faire 8 là. Ça va se finir là-dessus, hein, sur un 7-0 face au Spartak Moscou.
Grosse réaction du PSG, il fallait s'imposer, ils l'ont fait avec la manière en plus. C'est énorme, c'est énorme. On a surclassé le Spartak. 7-0. 11 tentatives pour notre joueur, 4 buts. Et encore, je compte pas les passes D, on va les voir après. Donc 4 buts et une passe D. Donc c'est quand même pas mal, l'origine, on est à l'origine sur 5 buts. Bon après, les deux autres, ça doit être à la construction du jeu. On doit être au début de l'action. Allez, on va aller voir notre classement Ligue des Champions, c'est très important parce que on a failli se faire éliminer et là, on revient de nulle part. On est deuxième. 6, 7, 8. On a 3 points d'avance sur le Spartak. On ne peut plus être rattrapé par Leipzig qui est éliminé de cette Ligue des Champions mais qui peut toujours se qualifier pour la Ligue Europa s'ils battent le Spartak. Nous, si on bat la Juve, il y a moyen qu'on finisse premier de notre groupe si on bat la Juve. Par contre, il faudra mettre une sacrée raclée à la Juve. 3 buts encaissés pour la Juve, 3 buts encaissés pour le PSG, donc il ne faudra pas encaisser de buts. Par contre, on a marqué 12 buts et ils en ont marqué 7. Donc on est la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense de notre groupe, vu qu'on a guetté de buts encaissés avec le Piemonte Calcio. N'hésitez pas à commenter, liker cet épisode, vous appuyez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain épisode de cette cage joueur pour Paris Saint-Germain. A plus!